Non mais c'est un jouet en fait. Bah oui, mais... Il fallait que je sorte là-bas, moi.
Yo tout le monde, c'est Math46 de 100% Friends. Donc aujourd'hui on se retrouve à la fin de ce petit essai. Donc voilà, j'ai essayé un 300 Sherco SEI de 2013. Donc franchement les gars, un pur régal. Donc c'était pas ma moto, hein, on me l'avait prêté bien sûr. Donc c'est pour ça que vous voyez que je tape dedans sans trop taper dedans. Parce qu'en fait la Sherco, faut savoir qu'elle prend beaucoup de tours. Donc je crois que dans la vidéo je fais une rupture à un moment qui s'entend à peine. Parce que je voulais voir jusqu'où elle monte, mais franchement c'est insane. Elle prend des tours infinis. Par contre, faut savoir que le couple, il y a beaucoup moins de couple. Avant, je sortais d'un 350 XCCF, donc de chez KTM. Ce qui est comparé au couple, franchement, la Katoche, on a 3 fois plus. C'est vrai que là, on est en deuxième avec la Sherco. On voit que ça se piloterait limite comme un deux temps en fait. Faudrait mettre un coup d'embrayage en bas des côtes et tout ça pour monter. Après, il y a deux courbes. Donc j'ai testé qu'une courbe, j'ai testé la courbe où elle a le plus de pêche, je crois, il y a une courbe soft qui permet justement d'avoir plus de coupe, donc ça j'ai pas eu l'occasion de tester parce que sur spécial, moi, une courbe soft, voilà, c'est pas trop ce qu'il fallait, là fallait plus une courbe pour accélérer. Donc voilà, vous avez vu à la fin, je fais un winning et puis voilà, franchement la moto est hyper légère, prise en main hyper facile. Ça saute en rigolant, vous avez même vu un virage, je me mets en l'air parce que je veux sauter en fait et la moto prend un vol démesuré par rapport à l'appui que je faisais. Donc voilà, franchement hyper facile à prendre en main. Et pour les débutants, moi je pense que ouais, c'est une bonne moto pour les débutants, c'est une bonne moto pour les confirmés parce que franchement il y a vraiment moyen de se faire plaisir avec. Après c'est vrai qu'il faut s'habituer au pilotage parce que c'est un style de pilotage qui reste proche du deux temps. Mais c'est pas le même pilotage que 4 temps, c'est vraiment un pilotage propre à cette moto. Mais je pense qu'il y a moyen de s'y faire assez vite, mais faut vraiment pas avoir peur de taper dedans. Donc voilà, j'espère que cette petite essai vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Sur ce, ciao tout le monde!